Quoi ça, ça c'est de la grenade pour décourager fumer l'enfoiré qui vient chez toi, d'accord? Bon, là. Bon, fais pas gaffe à l'introduction, hein. Bonjour les potes, ici JP Vadana dans la cave de merde. Et aujourd'hui présentement, bah écoutez, c'était une coup du hasard, puisque ce matin je me suis rendu en stand de tir pour me renseigner, et je suis tombé sur quelqu'un qui regarde mes vidéos du coin, et puis voilà, donc qui est très gentil, et qui s'appelle Anthony. Bonjour, bah c'est Anthony, ouais. Moi je fais du tir sportif. Ouais, voilà. Donc là, je viens présenter un fusil et puis une carabine. Oh la vache, ouais, super. Donc cool. Donc là, c'est une carabine quand même assez authentique. Attends, je vais enlever mes bagousses de même trop. Donc ouais, du coup, je vous disais les potes, ce qui était cool, c'est que là, je vais m'inscrire en stand de tir. Alors par contre, moi, je vais pas, du moment qu'on passe en catégorie C, je vais m'abstenir de filmer en stand de tir ou quoi, ou même les armes à la maison, hein, sachez-le. On vous fera des petites présentations tranquilles, des petits shoots. Toi, bah, je pense dans un champ. Ouais, ouais, on fera ça. Dans un champ. Peinard, mais bon, on sera assez discret sur le sujet. Et donc, bah, ce matin, là, j'étais en train de me renseigner là, auprès du mec. Là, ouais, et tu veux une 8-6 ou pas? Non, non, merci. Non, tu bois pas? Je bois pas. Je peux boire, ça te dérange pas? Non, ou... bah vas-y, bois. De hein, toute façon, on va pas shooter. Toi. Ouais, ouais, on va pas shooter de toute manière. Hein. Oui, là, oui. C'est pour prise de contact, je dirais. Donc, qu'est-ce qu'on se disait? Ouais, ce matin, je me suis pointé. Pour renseigner ton stand, et je parlais avec le président, donc il m'expliquait un peu comment ça se passait. Alors c'est vrai que t'as un système de parrainage là-bas, ouais. Ça c'est, faut un parrain, et puis le parrain il fait tirer le filleul avec, ouais. Avec ses armes jusqu'à temps que le filleul puisse obtenir enfin une catégorie B. Ouais, ok. Mais après pour tout ce qui est catégorie C, c'est libre. Ouais. Dès que tu es licencié, tu peux venir tirer, tu t'achètes une 22 et puis tu ouais. peux venir tirer. Ok. Par contre, ça shoot pas au calibre 12, là, il me disait là, ton président. Tu peux tirer exceptionnellement au calibre 12, mais. C'est pas ce qui se fait le plus, quoi. Voilà, c'est pour. On va dire. C'est pour la chasse, pour. Tu règles tes lunettes. Ouais, okay, voilà, ouais. Tu sais, si t'as une lunette, tu viens la régler au stand. Ouais, c'est pas du. Tu peux pas venir faire du tir sportif non, non, à proprement non. dit au 12. Non, non, sinon après, t'as le club de ball trap. Ouais, ah, mais c'est plus cher, enfin c'est plus contraignant, je trouve. Bah, tu peux acheter. Oui, après, tu t'es obligé d'acheter un fusil de ball trap et c'est extrêmement cher, un fusil de ball trap. Après, bon, tout dépend. Ouais, j'ai vu ça, cher, ouais. Ce qui est plus démocratique, je crois, c'est les fusils Beretta, j'ai vu. Ouais, voilà, les mais là, tu Beretta, montes à plus de 3000 les... balles, là. Oui. Bah, Putain. 3000, ouais, et puis ouais. Tout dépend le calibre. Tu peux. Ce qui est bien pour le ball trap, c'est le calibre 20 aussi. C'est moins Ouais. cher. Mais après, bon, pour plus de sensations, c'est le calibre 12. Hein. Ouais. Ouais, bah ouais, j'imagine, ouais. Ouais, voilà. Donc tu me dis, je pourrais y aller, à mon avis, faire quelques shoots, tu penses? Si je suis bien Dans mon accepté dans club? la. Ouais. Oui. Il Ouais. faut faire une demande auprès du président. Ouais. Une Parce que je te cache invitation. pas que mon rêve, moi, c'est de tirer aux pompes. Hein. Alors, c'est le. Ouais. Tu vois, c'est le grand rêve de tout tireur, tu Je vois. ouais, j'ai déjà tiré aux pompes. Et alors? Ça va être chambé, non? C'est bien, ouais. Mais un pompe, tu peux en acheter en maintenant. C'est le problème des pompes, c'est de la catégorie B. Ah ouais? Ouais. Mais j'en ai vu en C, là. T'en as en C. Il faut que le canon, il soit. On va prendre exemple sur ce Oh fusil. putain, c'est quoi ça? Sur ce fusil monocoque. Bon, c'est un. Alors attends, je vais prendre le truc. Donc présente-nous tes bestiaux là. Hop, c'est tout simple, un fusil monocoque. Ok. Ah ouais, putain. Voilà, Ok. tu Tu fous fourres la cartouche, paf, tu fermes, tu Donc armes le en 12, chien. c'est ce truc là quoi. Voilà, c'est comme tes. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est du gomme-cogne. Ouais, voilà. Bah après, moi, là-dedans, je mets de la chevrotine. J'ai les cartouches là dans le sac. Je mets de la chevrotine, de la balle et puis de la Ouais. grenaille. Putain. Voilà. Donc ça, tu te fais des shoots avec ça au stand? Non, non, ça, on n'a pas le droit au stand Ah d'utiliser merde. ça. Ouais. Alors du coup, tu l'utilises où? Dans un champ ou autre Dans un ou... champ privé, chez un ami. Donc ça, t'as le Voilà. droit de tirer dans un champ privé avec ça. Toute catégorie C, tu as le droit de tirer dans un champ privé. Ok.
Putain, il est beau, hein. Donc je te disais, ouais, les pompes. Ouais. Les pompes, il faut que le là c'est un canon lisse sur les juxtaposés, les monocoques, tout ça. D'accord. Et sur les pompes, les canons lisses sont forcément en catégorie B. Pourquoi? Pour une règle à la con. Ouais. C'est pour des Il y a que de ça, réglementations à la des règles con. à la con. Donc maintenant, tous les pompes que tu auras en catégorie C auront forcément le canon rayé. D'accord. Et faut que le canon il ait une certaine longueur en plus. Ouais. Donc So, il à doit. plus de 60 cm, non, c'est Voilà, c'est pas. ça, 60 ou je sais plus trop parce que bon, j'en ai pas, mais c'est plus de 60. Mais quand j'aurai ma catégorie B, je prendrai un vrai pompe Ok, en ouais. lisse et puis avec un canon de 50 ou un Et truc comme quand ça. est-ce que tu auras ta 4B? Normalement, dans 2 mois. Bien! Dans 2 mois, ouais. Ouais, bah c'est Faut cool, six ça. mois de tir, après, faut remplir un carnet de tir. Ouais, Vas-y, je je peux? parle. Ouais, vas-y. Ok. Oh putain, c'est assez léger, je trouve. Ouais, puis le canon a été raccourci. Ok. Doigt sur le pontet! Voilà. Donc, ouais, Parce canon que c'était un raccourci. canon de 76, hein. Là, Ok. c'est un canon de 60. Donc, c'est la réglementation 60. Putain! Alors, par contre, je vois, donc là, t'as une mire, là, t'as pas de. Ouais, bah, c'est les fusils de. Les fusils, en fait, c'est une canardière, là. À la base. C'est quoi une canardière? Ça Bah, canarde! ouais, voilà, c'est pour les canards. Vu que le canon est de 76, tu tires, c'est de la grenaille. Ouais. Tu tires, tu vises le canard en haut, Donc là, ça très t'assure haut. une Voilà, gerbe t'as une assez. gerbe, donc t'as pas forcément besoin de. T'as De pas besoin viser très de. précisément, Voilà, ouais. t'as pas une précision. Tu tires, hop, tu touches un canard ou quoi, c'est bon. Ah ouais, c'est fun, Donc là, j'ai des cartouches, hein, hein. si Ouais, tu t'as veux. du recul là-dessus, là, ou quoi? Bah, ça dépend les. Putain, c'est beau, hein. Qu'est-ce que j'en ai fait des cartouches? Ah oui, je les ai Putain, les là. mecs, c'est vrai que là, je vais me mettre dans un monde assez passionnant. C'est vrai que la catégorie D, c'est très passionnant également. Ah bah la C'est. catégorie D T'as vu, c'est très varié, hein. c'est bien ouais. Après moi je sais que j'ai une carabine à plomb. Ce que je faisais, je m'amusais à gonfler des ballons d'hélium. Puis je les tirais en l'air. Ah ouais, T'as d'accord. jamais fait ça? Non. Ah, Tu sais, ça pourrait être. tu te gonfles Ouais. 4-5 ballons, tu les Ouais. gonfles, paf, tu les lances, et puis Ok. moi vu que c'est une carabine à plomb semi-auto, on va dire. C'est une carabine à plomb semi-auto. Ouais. Donc je les mettais et puis je les tirais. Je les tire en l'air et Putain. puis bon t'as aucun risque avec Ouais. c'est sûr avec une 22 il faut jamais tirer en l'air Putain, ouais, c'est terrible voilà. ça. Et ça, donc, te l'as acheté combien, ça, ton pétard? Celui-là je l'ai acheté sur Natura Buy, je sais pas si tu connais la Ouais, boutique j'achète souvent du matos voilà, chez eux, ouais. je l'ai acheté moins de 100 € Putain, parce trop que cher! bon c'est un monocoque. Bon après j'ai payé 50 € pour le faire couper Ok. à 60 Ok. chez Donc, un armurier. t'as pas été chez l'armurier à l'œil crevé avec sa petite coupe clichée en arrière, là? L'autre enfoiré, là, tu Je sais. vois pas qui c'est, mais. Bon, on va taire son adresse, mais l'armurier où je vais souvent, là. Au pays du Cassos, là, tu sais, à côté, là. Tu sais, la grosse Ah ville de Cassos, oui. là. À À côté côté de de. chez toi. Ouais, Pas voilà. loin. Là où il y a tous les alcoolos, là, les drogués, Ouais. là, les. Ça commence par un F, Eh, t'as ça dit? commence par un F, ouais. Voilà, c'est. Non, je vais jamais chez lui, C'est un c'est connard. un con, ouais. Et il y a l'autre aussi, celui sur la grande route, là. Alors, autant au sablon, là. Ouais, Putain, c'est une tête de il aime con. pas avec Ouais, moi toi. non plus. Et tu sais que j'étais chez lui, chez Pécho de la poudre noire. Ouais, mais il Et en le a gars, il pas, me non? faisait la leçon, quoi. Là, il me dit, ouais, où est-ce que vous avez acheté votre flingue? Je dis, bah, pourquoi ça vous regarde en quoi Non, mais il connaît rien, lui, là-bas. Ouais, de toute façon, c'est ça, vous achetez tous sur Internet, ensuite vous venez quémander la poudre noire. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Et, mais limite, tu vois, j'ai fait une barre, il me l'a fait absolument, donc tu vois, j'ai pas pété un câble. Mais limite, j'avais envie de dire, mais qu'est-ce que tu me casses les couilles, là? Tu vends un produit, je viens de te l'acheter, Ouais, bah oui, c'est sûr. j'ai de la thune, je te paye et je repars avec le produit, c'est quoi le délire, quoi? Moi, je vais tout le temps chez le même. Bah, ou deux personnes, ouais. Il y a deux armuriers qui sont très bien. Ok, bah tu pourras me conseiller, bah on Ouais, va pas les nommer, mais ouais. Oui, tu on me les nomme conseilleras pas, en ouais. off. C'est cool, hein. Ouais, donc on disait la 4C, ouais, ça ouvre pas mal de portes, la 4D est très large. Ouais. Tiens, d'ailleurs, tu connais le mec, là, Kram Junior, là? Qui fait des vidéos de C'est un bagnole, youtubeur ou là. non? Ouais, c'est un youtubeur. Non, je Bah vois du pas. coup, bah, l'autre fois, il m'a envoyé un message sur ma chaîne, donc j'étais assez étonné. Et le mec, en fait, il a un projet de faire une chaîne pour parler de la 4D et puis Home Défense et tout. D'accord. Donc je trouve ça super, super enrichissant. C'est très très large, hein. Et puis bon, bah la 4C, moi je vais y mettre un pied, quoi. Ouais, bah Bah oui. peut-être grâce à toi, hein, Et d'ailleurs, hein. puis 4C, après 6 mois après la catégorie B.
Ouais, Les alors c'est armes un de autre poing, délire. tout Arme ça. de poing, donc 9 mm, 44 magnum, Ouais, tout le bordel. 9 mm, 44 magnum, 357. Oh Donc putain. là, dans 2 mois, normalement, je pourrais avoir. J'ai déjà un revolver en réserve. Ouais, ok. Donc Donc ça tu songes à sera. quoi? Moi, ça sera un 357 Ah la de vache. chez Smith & Wesson. Ah putain! Comme Inspecteur Harry. Ah non, quoi qu'il a quoi, lui, un 44, je crois. Peut-être bien, ouais. Après, Rêve de mon. gosse ou quoi? Non, non, au stand, j'ai essayé plusieurs armes, mais je suis pas trop. Je vais en saccade notre capture là, après. Je suis pas trop semi-automatique, tout ça. Armes de poing du type Glock, tout ça. Bon, c'est Ouais. pas trop mon délire, je suis plus arme. C'est, tu vois, là, déjà, on y voit ma carabine du style western, tout ça, les Ok, ouais. revolvers. Ah oui, alors présente-nous ça. Ça, c'est une Bah, carabine, ça, donc. c'est Comment t'appelles ça? Levier sous-garde, un je levier de crois. sous-garde, ouais. Bon, je vais Putain, essayer. les gars, je commence à être technique au niveau des termes, vous avez vu? Hop, levier de sous-garde. Ouais, putain. Donc 22 LR. J'en avais déjà hissé une, celle-là, ouais. Voilà, c'est Winchester, donc il n'y a pas plus authentique Ah, c'est une vraie Ouais, Winchester! c'est une Ah, Winchester. donc c'est pas une réplique, c'est pas une. Non, non, il y a beaucoup de répliques du style Rossi, tout ça, mais là, Ouais. c'est une vraie Winchester. C'est Putain! la Winchester, bah, en 22 long rifle, hein, c'est pas une 44 Magnum ou un Ouais. truc comme ça, mais c'est la Winchester 9422. Oh, elle est belle. Et Donc ça, un bébé comme ça, te l'as acheté combien? ça, je l'ai acheté 400 euros d'occasion, et tu vois, Ok. elle a un petit souci au niveau de la crosse qui a été D'accord. réparée, mais réparée propre par un Ouais, armurier. ok. Voilà, après, je peux y teindre, mais moi, Ok. ça me va très bien. Donc, tu vois, elle est propre, Ok. tu peux. Alors, bon, ça, c'est quand même super cool. Parce que, encore une fois, les potes, donc je me suis rendu sur le stand ce matin. Toi, t'es sorti là de ta session de shoot. Ouais, voilà, c'est ça. Et t'as reconnu ma ganache? Bah, direct, oui. Ouais. Et t'as dit, ouais, je te connais. Et puis en fait, bah, on a sympathisé et c'est super cool. Donc, Ouais, c'est cool. bah, écoute, ça te dérange pas, je compterai sur toi pour eh ben, me renseigner sur les choses. Donc, quels sont les prérequis, je dirais, pour aller en stand de tir? Genre, moi, tu vois, là, Ouais. je vais commencer à m'inscrire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Déjà, venir essayer, faire une séance d'essai avec un membre du tir. Moi, ce Donc que par je. exemple, moi si genre dimanche prochain tu me dis ouais viens je vais te faire essayer mes pétards, je pourrais y Non, aller. il faut faire une demande au président. Parce qu'avant, tu pouvais inviter n'importe qui comme ça, du jour au lendemain, mais maintenant, il faut que le président fasse une demande à la fédération Bah de tir. surtout que j'imagine qu'il y a eu toute une tas de têtes de cons qui se sont présentées et qui ont fait Ouais, n'importe quoi bah certainement. souvent c'est ça, ouais, t'en as, ils arrivent, il y a un gars qui prend une licence et puis tous les samedis il emmène un autre mec pour s'entraîner. Ouais, putain. Donc tu vois, c'est. Ok. Donc là ils ont un peu cadré les choses, Ouais, mais. j'ai vu qu'il fallait montrer patte blanche en tout cas et puis pas faire n'importe Oui, quoi. Hein. bah Ça, c'est c'est sûr. sûr. Bah, et puis le tir, c'est surtout. Ils s'en foutent que tu saves bien viser, tout ça, c'est surtout la sécurité. C'est. Ouais, j'ai vu. Hein, en stand de tir, ils sont archi Ouais, carrés là. après, bon, que tu mettes les plombs à côté, ils s'en foutent, hein, c'est. Et comment t'en es venu, toi, au tir? Là, t'es passionné depuis gamin ou. Bah depuis tout petit chez ma grand-mère il y a des fusils. Ouais. Voilà, tu vois, il y a des fusils. Excuse-moi, fais pas attention. T'inquiète. Jeté de clope. Il y a des fusils. Bon, ils n'ont jamais servi. C'était des trucs anciens. Et ça m'a toujours. J'ai toujours voulu tirer avec un fusil. Donc. Ah mais et je crois que ça comment dirais-je, ça sommeille en chacun de nous, Ouais. Puis après, bon, tu sais, quand t'es gamin, tu joues aux jeux vidéo, tu te dis j'ai envie hein. d'essayer un fusil à Ouais, pompe. c'est ça, hein. Après, à la fête foraine, tu tires avec la petite carabine du Ouais. forain. Donc. Et puis après, tu découvres que tu peux faire du tir sportif. Voilà, moi, c'est comme ça que ça m'est venu. Ouais, c'est Bon, assez sympa. ça fait que 2 ans que j'en fais à peu près. Donc ça fait depuis 2 ans que t'es en stand de tir là-bas? Voilà, ouais. Avant, Ok. j'avais jamais pensé à venir m'inscrire au tir. Putain, et donc pour la catégorie B, faut que t'attendes 2 ans, c'est ça de Non, 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 pratique? non, il faut 6 mois de tir, mais je m'étais. C'est 6 mois dans un club de tir. Ouais. Et t'as des tirs contrôlés à passer. T'as 3 tirs contrôlés. C'est-à-dire, faut qu'il te note sur la Ouais, voilà, sécurité et puis la la qualité de tes sécurité, tirs. la position de tes jambes, tout ça, de comment tu tends ton. Ouais, comme à la Voilà. boxe, quoi. Ouais, un peu, ouais. Ouais. Donc tous les 2 mois, en fait, t'as un tir contrôlé. Ouais. Donc au total, ça fait 6 mois. Ok. Au bout de 6 mois,
Au bout, quand tu as tes trois tirs contrôlés, tu peux faire une demande de feuille verte, ça s'appelle. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. C'est un dossier après que tu envoies en préfecture pour faire une demande d'autorisation pour pouvoir obtenir ta catégorie B. Par contre, tes guns, ils t'appartiennent pas, quoi. Les Quasiment. guns, oui, ils appartiennent à l'État, en fait. Il y a juste les catégories C. Ouais. Si tu arrêtes le tir, tu peux les garder. Ok. Si jamais tu meurs ou je sais pas, tu peux les ils sont directement transmis à tes héritiers. D'accord, c'est Alors cool. que la catégorie B, tu peux pas les Ouais, obtenir c'est comme à ça. l'état, À puis moins voilà, que tu quoi. sois tireur et puis que tu étais catégorie B, voilà, c'est. Donc la C, toi, tu me confirmes, tu peux très bien péter en toute sécurité, on va dire. Catégorie C, tu peux tout à fait péter chez toi, Si tranquillement. tu as un terrain privé, bon, après, dans la loi française, c'est un peu brouillon, on va dire. Tu as le droit de tirer chez toi avec tes armes dans catégorie C. Ok. Mais bon, T'as juste le ça, c'est la souci? loi. Ouais. Après, tu as les voisins, tout ça, Ouais, les voilà, nuisances sonores. c'est plus une nuisance Donc, sonore. le mieux, c'est que si tu connais quelqu'un qui a un terrain privé assez grand, dans une forêt, clos, et puis, tu vois, tu peux Bah, je aller te dis, tirer chez lui. à l'occasion, quand on fera les essais, tu nous présenteras en tir tes armes. Oui. Moi, je connais un Un bouseux. agriculteur, Ouais, il y a ouais. un bouseux dans le coin, je suis pote avec. Et puis, il peut nous prêter son terrain, donc on Ouais, peut bah oui. mouriner. Là, donc Il là, n'y a pas de risque et y a tout. pas de souci. Bon, après, avec les 22 longs rifles, faut pas tirer en l'air. Parce que tu sais, la balle, elle peut aller à plus de 200 km. Donc, tu sais pas où elle atterrit. Ok. Après, avec de la grenaille, donc le calibre 12, tout ça, tu peux tirer, bourriner en l'air. D'accord, ok. Voilà. Oh putain. Ouais, c'est une belle passion en tout cas, hein. Ouais, bah oui, ça. Donc Hein? là, j'achemine un peu les. Donc t'as quoi comme matos, toi? Voilà, j'ai. Moi, c'est plus Je peux particulièrement la prendre en main? des 22, ouais, c'est. Ouais, toi t'as des 22? Ouais. Ok. Donc, tu commences forcément. Tout le monde commence forcément avec la 22. Ouais. Puis après, bah, si. Moi, je me suis fait plaisir en achetant juste un calibre 12 pour le fun. Après, je m'en sers pas tout le temps, mais. Ok. Mais sinon, c'est des 22. J'ai des. Donc tu fais tir de précision avec ça et puis bourrinage dans le champ Ouais, avec ça voilà. quoi. Ouais. Putain, c'est beau. Ok, au niveau du prix des munitions par exemple. Et bah. Attends, Bon, les balles toutes simples, hein, chez Decathlon. Ah, t'achètes ça chez D4, c'est de la Soloniac. Voilà. Bon, celle-là, c'est vraiment les bas de gamme. Hein. C'est. Pourquoi? Bah, Ouais. c'est. Ils vont très bien, hein, mais t'as d'autres. Moi, j'utilise celle-là quand je vais au stand, mais. À 4 € la boîte, 4 € la boîte de 50. Ça va, c'est économique. Oh merde! Oh À putain, je suis en train l'envers. de faire le con. Oh. Donc Ouais, c'est c'est sûr, assez. après, quand tu commences à taper dans du gros calibre, du style 357, même 9 mm, c'est 10 € la boîte de 50. Bon, ça, c'est vraiment le plus. Ouais, je vous montre, donc ça c'est une 22 Voilà, c'est une 22. Et puis, ce qui est bien dans ma carabine, là, c'est que tu peux mettre aussi des 22 cours. C'est les plus petites. Les subsoniques là, ce qu'on appelle, Non, ou je non, sais pas non. quoi là. Non, tu sais, t'as la 22, puis après, t'en as une plus petite, genre du style 22 cours. Ok, C'est et les ça te sert à quoi? 22 short. Bah, c'est les carabines qu'il y avait dans le temps. Ils étaient chambrés en 22 short. Ouais, ok. Ça coûte beaucoup plus cher, donc maintenant, c'est inutile. Ça Au sert à niveau rien. du bruit, c'est pas terrifiant. J'ai déjà tiré à Non, la non. 22, c'est pas. Non, c'est. Et limite, tu sais que moi, j'ai une PCP là, la crâne. Ouais. Mais des fois, ça peut faire plus de bruit, Ouais, hein, Farid le mais. soldat, on s'était fait des shoots l'autre dimanche. D'ailleurs, big up à toi, mon Farid, hein, gros bisous. Ouais, il disait, putain, ça pète comme une Bah, moi 22, quoi. Limite plus fort. j'ai mon cousin, bah, il a une 5,5. Bah, ça. Excuse-moi, hein. T'inquiète. Il a une 5,5 et quand ça pète, ça envoie. Hein. Ça Ouais. fait plus de bruit qu'une 22 avec silencieux ou. Et ça, elles font beaucoup de bruit là, Non, t'es. celle-là, c'est vraiment. C'est les standards, donc ils sont limite subsoniques, on va dire. Donc, subsonique, ça veut dire qu'ils sont. Sous la vitesse du Ouais, son. voilà, c'est ça. Sous Donc la du coup, vitesse. ça créait pas une Ouais, déflagration voilà, trop c'est ça. importante, j'imagine, hein. Sous la vitesse du son, ouais, c'est ça. Mais souvent, ce que tu entends le plus, c'est le pont qui tape Ouais, sur le ok, métal. Hein. d'accord, ok, ouais. Après, tu as des balles supersoniques, Ouais.
Et là, ça claque. Les hautes vélocités, ouais, il claque bien. Ok. Et par contre, là, le 12. Ah bah, le 12, c'est un 12. C'est du 12, quoi. Donc, faut mettre un casque. Ouais, là, ça remue les côtes. Bon, c'est pas. Le recul n'est pas impressionnant. N'est pas fou, ouais. Puis ça, en plus, c'est un monocoup, donc. Ouais. C'est sûr que j'ai tiré avec un fusil à pompe, c'est autre chose. Hein. Le gars, tu pouvais en mettre 5. C'est ça que je veux, putain, moi, tirer aux pompes, sans déconner. Hein. Le gars, il avait ouais, une crosse rabattable, mais je crois que maintenant, il s'est interdit donc en catégorie C. Donc, il l'avait. Tu sais, il l'a ressoudé. Il l'a Ah, fait ok, donc ressouder. de quoi se rabattait? Ouais, c'était une crosse que tu pouvais Ok. rabattre. Et puis, du coup, tu pouvais tenir comme ça. Ah, ok, donc c'est au niveau de la longueur, là, c'est Ouais, interdit, voilà, quoi. là, Ah, ok, maintenant, c'est interdit, je crois. ouais, d'accord. Donc j'avais tiré avec ça et franchement tu pouvais prendre les 5 comme ça Oh dessus. là, ça va être bonheur ça. Parce que tu sais, j'ai vu des pompeux. Honnêtement, 400 balles, t'as des pompeux neufs. Ah oui, C'est des trucs de ouf, hein. non mais je te Putain. dis c'est parce Je que... pense au Winchester, je sais pas si tu connais. Je crois, c'est le Winchester XXP. SXP, je crois. Ouais. Putain, t'en as à 500 balles, quoi. Ouais bah oui, Mais bah ils en sont tout fait... magnifiques, quoi. Desert Tan et tout, Le truc, bah une gueule j'ai... de porc. Moi j'avais vu, c'est un Remington 870. Donc c'est quand même une arme, tu sais, celle qu'on voit dans plein de films. C'est quoi donc le Le pompeux? pompe Remington Ouais. 870, donc c'est un des meilleurs pompes pour moi. Hein. Ok, Après, tu peux le customiser de tout ce que tu ouais. veux, la Ouais, ok. crosse bois. Et souvent dans les films, c'est celui-là que tu vois, c'est le Remington 870. Et bah attends, tu parles de film. Tu sais, le pompeux, depuis que je suis gamin, qui me fait plaisir de tirer avec, Ouais. c'est le Benelli M3. D'accord, et c'est dans quel film? Bah t'en as plein, je crois que Ouais. dans le Terminator, il y en a un en Ah, peut-être cours. bien. Oui, avec une crosse Ouais. coupée. Ouais, une crosse Ouais. coupée, une poignée Hog. Dans plein de films, quoi, t'as ça, Ouais. Benelli Bah moi j'ai M3. toujours cru que c'était le Remington Même, 870. ouais, même tu Parce parlais de jeux que. vidéo dans. T'as, quand j'avais 15 ans, je jouais à quoi comme jeu vidéo Call of. Non, 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 c'était. GTA. Non, 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 c'est un FP, ouais, first person shooter, je crois, je suis pas trop Ah. spécialiste, c'était. CS. Counter-Strike! Ah oui. Ouais. Oui, Là, le bah. Benelli, quoi, bam! Pour moi, T'envoyais, là. c'est le Remington 870 que je Ouais, ok, connais. d'accord. Bon, je regarderai Bah, ce tous que les c'est. films que j'ai. Où je vois un pompe, souvent, c'est le Remington. Ok. Et. Et donc, futur projet d'acquisition d'armes? Et bah. Bon, c'est quand même un budget, hein, les Ouais. carabines, donc. Et puis les pistolets. Donc, pour l'instant, ça sera le 357 que je vais acheter. Et puis, pourquoi pas, après, acheter. Une carabine bah, à levier de sous-garde, pareil, mais en 44 Magnum. Oh la vache, Ouais. ah ouais Ou ça en c'est. 357, vu que j'aurai déjà le calibre pour le pistolet. Tu Ouais, c'est sais, des pour os ça. éviter de... Ouais. Pour pas avoir plusieurs calibres. C'est avoir un calibre pour deux armes, c'est bien aussi. C'est bien aussi, ouais, de Ouais. diversifier le délire, hein, je trouve. Hein. Après, c'est vrai qu'un 44 Magnum en pistolet, en revolver, ça Oh doit être pas mal, ça, mais... ouais. C'est... T'as déjà tiré avec ou J'ai pas? déjà tiré avec au stand, il y en a un qui en a un, mais Et alors, t'as dit, tu vois, la main qui doit bah jungler, le quoi. 357 comparé au 44 Magnum, pour moi je trouve que le 44 Magnum il envoie du pâté. Il en voit plus? Ouais. C'est pas du tout pareil. C'est un peu, on va dire, c'est un peu comme le 9 mm et le 45 ACP. Je sais pas si tu vois ce que c'est le 45 ACP. Ouais, je vois, ouais. C'est l'arme du Colt 1911, le calibre du Colt Colt 1911. 911, ouais, d'origine, parce qu'après ils ont été. Bah, comme Bah après, ils l'ont le. passé en Ils l'ont passé en 9 mm après. Ouais. 9 mm, ouais. Ouais, Pour s'adapter au ouais. calibre international. Ouais. Le Colt calibre 45 ACP, ouais. Qui a remplacé sur les champs de guerre le Bon. calibre Oui, 38, ouais, c'est .38, ça. ouais. Ouais. Parce que, encore une fois, bah, ça pétait, quoi, des carcasses de fumée, quoi. Nickel, t'as eu une puissance d'arrêt assez énorme. Ouais, c'est Et donc, t'as commencé ça. directement, toi, aux armes à feu. T'es pas passé par la case air comprimé. Alors, si, quand je suis allé au stand, il m'a fait tirer au 10 mètres à l'arme air comprimée. Ok, t'as dû trouver ça fadasse, non? Bah, au début, je trouvais ça bien parce que j'avais fait que ça, moi. Ouais. C'était bien. Ouais, c'est quand Et même pas mal. après, une fois que je suis passé au 22 long rifle, tout ça, Ouais, t'as vite oublié, quoi. je suis plus retourné au stand à 10 mètres. Après, je sais que le 10 mètres, c'est très bien pour quand tu tires au pistolet à air comprimé ou à la carabine, c'est très bien pour faire du poing, pour s'entraîner, pour la visée, tout ça. Ouais, concentration. Ouais, voilà. Ouais. Avant,
Tu peux aller faire une séance de d'air comprimé pistolet juste avant d'aller faire une séance de 44, de 357, et puis ça t'aide pour la visée. Ok. Après, c'est ce que j'ai remarqué Et toi, aussi. t'es plus posé à faire des points, des shoots nickel Non, ou t'es non. plus des fourraillages Non, ouais, voilà. Moi, je tire dans les gongs, tout ça. Ouais, putain, ça c'est fun, hein. Il y a des cibles. Moi, je mets jamais une cible. Je suis tout le temps en train de tirer dans les gongs, donc. Ouais, donc ça c'est bien. Parce que Farid, il me disait, il y a certains stands, par exemple le sien là où il est, hein, et ben, ils interdisent le gong. Ouais, bah après, c'est parce que peut-être qu'il y a des retours de plomb, je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais nous, on a quand même. On a. Ouais, peut-être une vingtaine de gongs sur le 50 Oh mètres. putain, ouais, cool. Des tout petits, des gros, tu sais, avec les lunettes, tu les vois bien, les tout petits. Et puis au 25 mètres, il doit y en avoir peut-être une dizaine avec des basculants. Tu sais, tu les bascules et Ouais, puis après, tu tires la corde. je vois, ouais. Je vois ce que c'est, ouais. Voilà, après on a des cibles automatiques, hein. C'est bien aussi si tu veux faire du point, tu peux mettre tes cibles et puis t'appuies sur le bouton et puis ça revient. Putain, bon, bah c'est bien ça. Ouais, voilà, c'est une belle passion. Ok, donc chez toi, t'as pas d'arme de défense chez toi? Non, à part un pistolet à blanc, Ah, t'as quoi? je sais plus du tout, c'est un truc que j'avais acheté 30 euros. Tu peux Ouais. mettre des cartouches. 9 mm PK, je crois, Ouais, ou PAK, c'est ouais, ça? PAK, Ouais, ouais, ouais. c'est un revolver, c'est. Ah, c'est un Ouais, revolver! c'est un Mais revolver, c'est ouais. du 8 ou du 9 mm? Du 9 PK. Ah, putain, d'accord, ok. Ouais. Je sais plus la marque. Ah bah je serais curieux que tu le ramènes un de ces quatre là pour Bon, y a pas de qu'on souci, voit. ouais, on pourra tirer. Ouais. Tu veux que je te montre les miens ou pas si... Bah, dans Les la logique, je PAK. les connais. Ouais. Ouais. Tu veux shooter avec? Peut-être ça Ouais, peut bah faire ouais. l'objet d'un truc quoi. Attends, Bon je vais te écoute. montrer les cartouches Ouais avant. vas-y montre. Je voulais te montrer un peu les cartouches que tu peux mettre dans les fusils à pompe, les calibres 12, tout ça. Alors, Donc là, explique-nous. de la grenaille. Ah putain! Ok les potes, donc regardez-moi ça. Ça, c'est de la grenaille pour défourailler du fumier d'enfoiré qui vient chez toi, d'accord? Ça, c'est ouais, pour la défense, c'est bien. Ah mais C'est ce que attends, moi je préfère, ouais. défense, c'est pas du plastoc les Non, non, billasses là. ça, c'est de la grenaille de plomb. Ouais, mais non, mais il rentre dans le cul l'autre mec là. Oui, bah ça lui rentre dans le cul, mais moi ce que. Bah. Ouais, mais c'est létal quoi, c'est pas Ça de la c'est létal, défense. ça c'est pas de la défense, hein. Mais Bah, on est d'accord. si jamais t'as que ça, faut bien prendre ça. Vaut mieux prendre ça que ça. Tu vois, vaut C'est mieux. quoi ça? Oh putain, c'est. Oh, c'est une. Un Ça boulet en plomb! c'est une slug. C'est une slug, ouais. Bah ça, tu tires Putain! sur un mannequin ou un truc comme ça te fait un trou. Un mannequin, Bah, style un mannequin, Gaspard le bâtard, gentil hein? fou ou Gaspard, ouais. Ça te fait un trou comme ça, ouais. Non, déconne. Bah, l'entrée comme ça, puis le derrière comme ça. Ouais, bon, bah, j'ai hâte qu'on essaye, hein! Hé, hey, Gaspard, enculé! Ouais! Attends, je vais lui montrer quand même. Donc je pense que t'auras droit à ça, un de ces quatre. Hein. De toute façon. Et puis, bah, la mythique chevrotine. Alors ouais. La chevrotine, Oh putain, donc là c'est des lequel? grosses boulasses les potes. Regardez les grosses boulasses là-dedans. Ouais bon bah là c'est tutu quoi. Hein. Ouais, bah oui. Donc ça c'est pour chasser quoi. Ça, c'est pour chasser le gros gibier style sanglier. Ouais. Dans certaines régions, c'est la chasse à la chevrotine est Ouais, interdite. j'ai vu ça, ouais. Ils préfèrent la balle. La réglementation préfère la balle. Donc en fait, tu veux m'expliquer que là, t'as une putain de bastos En plomb. en plomb, calibre 12. Ouais. Et ça, tu tires sur combien de mètres, ça, là? Je sais pas, 100 mètres. Putain, c'est dangereux, là, hein? Tout à l'heure, j'ai dit 200 km avec la 22, mais je me suis trompé, c'était 200 mètres. Ouais. 200, 300 mètres, Putain, peut-être. ça c'est impressionnant. Ça, ouais, ça, la grenaille, c'est pour les pigeons, tout ça. Ouais, c'est ça, ouais. Bah après, si tu vois, si t'as un agresseur, vaut mieux lui tirer de la grenaille que ça, hein, parce que ça, tu le tues tout de suite, alors que ça, bon, Tu le tues, mais lentement. voilà, Donc il a le temps d'agoniser, quoi, Non, mais il a le gars. Et tu peux le finir à grand coup de tatane dans la gueule. Bon. peut-être une chance, en fait, on Ouais, va peut-être dire. une chance. Mais Ouais, mais après, pour la défense, vaut mieux non, non, utiliser non, des des gommes trucs. connes. Ouais, là. Style, je sais pas si. Non, mais non, faut surtout pas Genre de tirer. merde, là. Voilà, Ton SCPL, là. il faut surtout pas tirer ces cartouches-là sur quelqu'un. En termes d'économie, de prix, là, combien les munitions, ça te coûte combien, là, entre les divers trucs, là?
J'en ai aucune idée. Si, peut-être les à grenaille, j'avais pris. J'avais une boîte de 25. 25 cartouches grenaille, peut-être 15 euros. Ouais. Comme ça, bon, c'est de l'écureuil, ça s'appelle. Mmh. 32 Pourquoi ils appellent ça écureuil? C'est la marque. C'est débile comme nom. Ça, c'est de la Breneck Winchester. Donc, ouais, la Breneck. Ouais, c'est une Breneck. C'est ce qu'on appelle le plomb, là. D'accord. Donc ça, c'est assez cher, mais je n'ai plus trop les prises. Moi, je tire pas beaucoup avec ça, donc, tu sais, j'en ai acheté une ou deux boîtes. Mmh. Et j'en ai pas usé beaucoup. Donc peut-être 25 euros les 20, on va dire. Putain, ouais, c'est assez cher, hein, par contre. Hein. Ouais. Mais j'y connais pas grand-chose en ça. Moi, j'ai plus tiré avec la grenaille. Mmh. Voilà. Et ouais. La chevrotine, ouais, c'est... Mais ouais, tu chasses pas, toi, dis-moi. Non, je chasse pas, moi. Ouais. Moi, je suis pas chasseur. Hein. Pas... Ouais, t'es comme moi. Moi, j'aimerais pas trop cartonner un animal, en fait, tu vois. Bah, le délire. Truc, c'est que tu peux le cartonner, mais après, si tu sais pas quoi en faire, tu sais pas le dépecer, tout ça. Ouais, puis c'est, tu vois, priver la vie d'un être innocent, ouais, moi, ouais, j'aime pas sûr. Trop. Hein. Toi, j'aimerais plutôt cartonner des enculés qui me font chier, mais... Ouais. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, ouais... Bah, moi je te dis, si t'as une cartouche gomme-cogne dans ton fusil, le gars, tu vois qu'il vient vers toi, tu tires pas, il aura sûrement peur du fusil. Mais si jamais il vient vers toi, que tu tires la gomme-cogne, et qu'au final ça l'énerve encore plus que ça le neutralise, vaut mieux avoir quand même une cartouche de grenaille, si jamais il arrive avec un couteau pour te... Après, bon, c'est mon point de vue. Ouais. Bon, après, il faut espérer que ce... Que genre... ça te serve jamais, quoi. Voilà. Ok. C'est... Mais moi, c'est pas du tout dans le but de me défendre que j'ai acheté des armes. Oui, voilà, ouais. Moi, ouais. C'est bah, surtout pour ça. Ça, clairement, ouais, moi, c'est pour faire du shoot loisir, tu vois, en stand de tir. Tu lances, ou dans le champ. Tu lances des plateaux d'argile, tu tires, tu sais, ça fait un peu ball trap. Ouais, dans ouais. un champ, tu peux lancer des plateaux, puis attendre, tu les tires. Putain. Bon, j'avais fait ça avec des bouteilles, mais... Tu sais, je lançais des bouteilles d'eau en l'air. Bah, y avait un copain qui lançait des bouteilles d'eau, puis je tirais dans le fait. Putain, sacré joujou, hein. Ouais. Mais ça, tu peux tirer en l'air, ça craint rien, quoi, y retomber, les machins. Ça, non, tu peux pas tirer en l'air. Et ça Ça, oui. La grenaille, oui, mais les balles, faut surtout pas. La chevrotine, C'est pas conseillé, ouais. C'est pas conseillé aussi. Ouais, parce qu'avec la gravité, ça peut retomber sur la gueule d'un mec. Ouais, voilà, ouais. Tu sais pas où ça peut retomber, alors que la grenaille, bon. Ouais. De toute façon, c'est fait pour tirer en l'air, la grenaille. Ouais, ouais. Bah ouais, c'est ça, c'est, il fait une pour petite... Pour les pigeons, tout ça, les... De la petite grêle sur le coin de la gueule, quoi, le mec. Ouais. Ok, bon, bah ça marche. Ouais, donc tu veux essayer mes PAK, là? Bah ouais. Ça se fera un petit shoot. Et puis voilà, bon, bah écoute, je vais aller chercher ça, là. Je vais mettre sur pause cette vidéo. Ok, on se reprend les potes, parce que finalement, au lieu de tirer au PAK, on va peut-être tirer à la 22LR, on sait pas. Alors, qu'est-ce que tu nous as emmené, là? Donc là, j'ai emmené des cartouches factices. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, c'est quoi, ça? En alu. Ça sert à quoi? Bah, c'est justement, tu vas voir, c'est pour... Vous avez vu les potes, là? C'est de la même taille qu'une vanne de long riff normale. C'est pour, comme ça, je vais te montrer le mécanisme de ma... Ah, d'accord, c'est pour faire du drill, là, comme on appelle. Pour te montrer un peu le mécanisme. Ok, puis, je regarde si c'est cadré, cette foutue merde de... Est-ce qu'on voit le tube, là? Ouais, c'est bon. Parce que le mode de rechargement de cette carabine, c'est pas comme les Winchester. Ok. Tu ouvres là, puis tu charges par là. Ouais, ah oui, oui, oui. Ouais, j'en ai déjà utilisé une de cette chignole. Hop. C'est quoi ça? Il y en a une bastos là-dedans, non? Non, c'est le, ah oui, c'est le poussoir. Tu charges comme ça. Donc okay. Là, j'en mets 5. Ah oui, c'est des cartouches d'entraînement factice. D'entraînement pour le... Manipuler ton... Pour t'entraîner. La manipulation. D'accord, ok, super. Putain, c'est cool. Je sais qu'elle a un petit souci, elle. Pourquoi? Cette carabine, sure. Des fois, elle se ferme pas complètement. C'est bon. Ok, putain de merde. Donc là, comme ça, tu peux voir le mécanisme. D'accord. Le mieux, c'est que tu te mettes là, je pense. Ouais, alors attends, je pose ça. Ok. Ah ouais, bah c'est pas mal, ça. Ah, mais avec la caméra. Hein, de quoi? Ça va ressortir par là. Ah, tu veux dire que je vais me la prendre dans la gueule? Ouais. Vas-y, je te regarde faire. Et hop, la cartouche. Ok. Ok, ça marche. Voilà. La cartouche, elle sort. Ah, ça te permet de faire du drill, effectivement. Voilà. Et hop. Ok.
Donc là, c'est ce que je me sers pour la manipulation, pour jamais aussi percuter à vide une 22, donc je percute là-dessus. Ah ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc là... Ouais, tu tires ça. Ok. Voilà, donc ce qui laisse apparaître donc, le tube magasin. Voilà, tu les mets comme ça. T'en chambres combien là-dedans là? C'est 8. 8 cartouches là-dedans. Ah, c'est bien. D'origine, c'est 15. C'est bien foutu, putain! Ouais. Ouais, les Winchester d'origine sont à 15 cartouches. Mais ils ont mis un truc là, faut que tu tournes du coup. Parce qu'elles sont un peu grippées là. Je sais pas pourquoi depuis. Voilà. Ok. Tiens, mec. Là, tu fais avec le levier de sous-garde. Hop. Là, okay. Ça en a chambré une. Et là, si tu tires, ça fait quoi? Là, ça percute juste. Il n'y a rien qui sort, tu sais, ça percute la fausse cartouche. Donc là, je peux le faire, là. Mais ça peux, sert à rien. Ça sert à rien. Ok. Tu vois, hop, ça éjecte la cartouche. Putain, c'est tombé dans ma 8-6 ou quoi, là? Ah non. Ok. Ouais, là, il n'y en a plus. Ah ok, d'accord, bah putain c'est quand même excellent ça pour driller là. Ouais voilà. T'es dur, comment je fais pour... Après t'appuies sur la gâchette, sur la détente. Ok. Bon bah c'est cool, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un essai ou pas fou? On est des jeunes fous ou pas? Oui, on va faire un essai. Ok, bon bah qu'est-ce qu'on va se faire? Condition de sécurité oblige. On va se faire un petit shoot à la 22LR. Dans le Sracro Saint Frigo. On va péter quoi sur une bûche de bois? Donc de toute façon ça va pas traverser le bordel. Avec une plaque en métal. Ouais, il y a une plaque en métal en renfort, il y a une autre plaque de bois et deux autres plaques de métal derrière, ok? Si tu veux, tu peux mettre. Ah tu veux quoi? Tu veux cartonner Jean Fif? Bah si tu veux, hein. Bon bah voilà, bah écoute, hein, on va péter la gueule à Jean Fif. Je vais viser sur son menton. Oh bah tu vis ce que tu veux après, hein, de toute façon. Parce que la plaque de bois et puis derrière. Bah de toute façon, ouais, tu peux viser le menton, les yeux, ouais. Non, ça va. Ouais, tu peux même filmer si tu veux. Ouais. Le derrière. T'as, je sais pas ce qu'ils vont dire sur YouTube. Ouais, ils shootaient la 22 dans le garage et tout, ouais. Mais bon, ça va. Ok. Normalement, il faudrait un casque. Tu en veux un? Non, c'est bon. Ouais, ça claque. Ça claque, mais pas si fort que ça. Hein. Donc, tu l'as shooté où, lui, cet enculé? On a entendu la plaque en bois. La plaque derrière. Donc. Je sais pas s'il l'avait. Oh, peut-être pas celui-là, là. Je sais pas. On repart derrière. Attends, ouais, on l'a vu lui sa gueule de merde. De toute façon, 22R, ça va pas traverser tout ce ouais, qu'on a ça fait pas extrêmement de bruit, donc moi je sais que dans mon garage je tire. Ouais. J'ai pas non, tout à fait 10 mètres, mais. Mais attends, mais ça fait moins de bruit que le PA Core d'ailleurs. Hein. Ouais, bah peut-être. Hein. Moi, bah je trouve, sûrement, hein. Oui. Franchement. Ok, putain, ça sent bon la poudre. Hein. Donc tu vois, le bruit, c'est pas. C'est contenu, ouais. Ouais. Donc si tu veux en faire une... Ouais, je veux bien. Bah écoute, tu peux me la chambrer. Je te la chambre, je vais même t'en mettre 5. Bah écoute, ouais, d'accord. Les potes, qu'est-ce qu'on se fout? On s'est foutu une petite cible avec une bûche. Pour retenir le... Une bah, bûche et puis une plaque de métal. Ouais, plaque de métal, une autre plaque de bois, et quoi d'autre? Bah deux autres plaques de métal, donc... C'est une plaque de métal qui résiste quand même pas mal au 22. Ouais, ok. Bon bah écoute, ouais, tu m'as préparé le flingue, et puis là, voilà. Là, c'est, je te l'ai préparé, et puis la carabine, elle est en sécurité. Là. Ok, d'accord. Tant que le chien est pas armé, t'as aucun risque. D'accord, ok. Ouais. Donc ok, donc je vais la prendre en main, je la prends en visée, je arme et je tire. Tu armes, ouais, comme ça, et puis tu tires. Ok. Tu tires, tu mets pas le doigt sur la détente tout de suite, tu... Mmh. Voilà, t'attends d'être bien sur ta cible, et dès que t'es prêt à tirer, tu mets ton doigt sur la détente. Ok. Et tu tires. Ok. Bon bah super. Tiens, je peux me tenir ça. Merci beaucoup, Anto.
Ok, donc là j'arme. Ouais, vas-y. Non, là c'est bon, c'est armé, ouais, vas-y. C'est bon, donc là, je prends la visée. Ouais. C'est précis ça, on va voir. Ok, ouais. Hop, t'as la cartouche qui s'éjecte. C'est fun, hein? T'en avais combien, là, des cartouches? 5. Là, t'en as plus, je crois. Attends, vas-y. Je pète. Ouais, vas-y, t'inquiète. Ok. Voilà, hop. Pour la mettre en sécurité, là? Là, une fois que le chien, il a percuté et que c'est la dernière cartouche, c'est en sécurité, là. Ok. Donc voilà. Là, je peux le... Là, tu peux la je poser... Peux baisser le canon. Voilà, tu peux la poser... Ok. Hop, je la mets là, direction ouais. La cible, ouais. Ok, bon, bah écoute, ouais. Hein. Bon, t'as pas de recul, ça pète pas mal. Bon, qu'est-ce que j'ai fait, là? Eh ben, 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 sont dedans. Bah écoute, de toute façon, c'est, ça a dû rentrer dans le bois de toute manière. Ouais. Et puis bon, bah voilà, quoi. Non, bon, bah écoute. La plaque. C'est une plaque qui résiste aux 22 longs rifs, ça. Tu vois, peut-être oh bien ouais, que c'est ça, peut-être bien que c'est... Là, c'est du 9 mm hein, qui a pété dedans. Du 9 mm? Ouais, en combien de joules? 250 joules. D'accord, mais là, peut-être que c'est les 22 longs rifs, là. Non, on aurait non. Dû, on en... Attends, ça peut traverser la bûche, hein. Ouais, ouais, peut-être bah, bien, non. Ouais. Après, vu que la bûche est mouillée, des fois, ça pénètre bien. Mais ça, de toute façon, c'est impossible que ça traverse, ça. À la limite, je dirais celui-là, peut-être. Puis oh encore. Non, ça, c'est une bille, ça. Ça c'est ah une... non, c'est pas une bille. Tu te rends compte comme c'est costaud, ça? Ouais, mais c'est. Ah, c'est un plomb, ça, peut-être, ben. C'est une bille. Oh, mais attends, une tu bille en. Tu la tirais pas loin, c'est tout. En deux joules, non, non. Après, oui, je sais pas avec quoi t'as tiré là-dessus, mais. Peut-être du PCP ou je sais pas. Elle est bien, cette plaque, là. On va l'utiliser plus souvent. Moi, je sais. Chez moi, je me suis fait un petit récupérateur de plomb. Ouais. Bon, je l'ai vendu, là, mais je l'ai vendu à un copain. Mais je me suis fait, j'avais fait un récupérateur de plomb. Tu sais, tout simple, comme ceux avec les mêmes qui vendent à Decathlon okay, ouais. Pour le plomb à air comprimé. Mais avec des plaques, j'avais fait le même. Mmh. J'avais fait faire parce que je suis pas trop soudeur, tout ça. J'avais demandé à un copain. J'avais fait les plaques, tout ça. J'avais coupé la même forme que le truc Décathlon pour les 4-5. Ouais. Mais avec des plaques qui résistent aux 22 longs rifles. Ok. Donc comme ça, quand je tire dans mon garage, tout ça, même dans les champs, des fois, je l'emmenais. Mmh. Et bah, ça récupérait les plombs et puis t'avais aucune chance de ricocher, en fait. D'accord. Quand je tirais, vu que c'était incliné, ça descendait dans le récupérateur. D'accord, ok. Donc petite cible sympa et puis safe. Ouais, voilà. Et puis, ouais. Ok. Tu veux essayer vite fait la PCP, là? Ouais, allez. Ouais, bah ouais. Tout ça. Bon, je vais enlever les trépieds. Mais là, tu la charges comment, celle-là? Ouais, je peux te montrer. Bah. Et pour l'air. Le... Ah, oh, ouais. Avec ça, compresseur. Ah, d'accord. Ah non, j'ai un compresseur haute pression, donc 300 bars. Puis, ouais, c'est avec un petit compresseur. Ouais, ouais, je te l'ai rempli en 10 secondes. Quoi. Nous, au club, on a des carabines, oui, avec compresseur aussi. On a des gros. Par contre, c'est vraiment des trucs de compétition. Donc, ouais, voilà, ça suffit. Hein. Même la grosse crale 280cc, pas de problème. Hein. Non, moi, chez moi, j'ai quoi comme carabine air comprimé. Air comprimé, moi, c'est des petites bouteilles de. Bah, comme ton. Ah, en CO2, ouais, en moi CO2, ça m'a fait chier ça, parce que les consommables. Et ça dure pas longtemps. Ouais. Par contre, elle est bien parce que je peux être 12 plombs. D'accord. C'est un genre de barillet, je l'avais acheté sur Ducatillon. Bah là, il y a un barillet théoriquement, mais je l'ai niqué donc. Là, tu vois, comme une 22 quoi. Ouais, bah oui. Ok. Attends, j'essaie de c'est plus comme droite. Chez Decat. Non, c'est du Merrick ça. Ouais, mais bon, non, chez Decat. Ah bon comme ça. Bah oui, j'en ai acheté des comme ça. Ah, Ducatillon, tu veux dire? Oui, chez Ducatillon. Ouais. Ah ouais, j'ai compris Décathlon. Non, pas Décathlon, ouais, j'ai dû comprendre. Hop, donc tu vois, tu mets. Ouais, merci, ton 4-5. Donc tu le mets là-dedans, tu vois, dans ta petite glissière, là, la con.
Toc, tu sens. D'accord, ouais, c'est un peu comme le levier de sous-garde. Ouais. Là, t'as, non, t'as, comme une... t'as sécurité quand tu veux péter, tu vois. Ouais. Ouais, bah c'est comme ma 22 monocou, j'avais une monocou. Ouais, voilà. Je tire sur quoi, là? Bah, la cible, hein. Là, il y a la sécurité. Non, je l'ai enlevé. Ok. Ah, la lunette, elle est top. Hein. T'aimes bien? Ouais, ça fait du bruit quand même, hein. Ouais. Ouais, t'as fait un 8. Dedans. Si, t'es dedans, dans le 8. Ouais, bah, t'es pas dans le dans le 10, ouais, ou dans le 9. Comme ça. Voilà, directement. T'aimes bien en poignet? En quoi? En poignet. Ouais. À manipuler, à prendre en main. Ah oui, oui. Merde, j'ai fait quoi? Je sais pas, qu'est-ce que t'as foutu? Je le mets comment, là? Là, là, dans la petite rigole, là, juste okay. Là. Tu vois? C'est pas pratique. Oh. Bah, c'est monocou, monocou. Hein. Donc là, si je me mets bien comme une 22 en riff, il faut mettre le coude, là. Ah, je sais pas, moi. Mais j'obtiens des très très bons résultats avec cette chignole. Putain, ça claque quand même, hein, le PCP, hein? Ouais. Elle est bien, mais ça coûte combien, ça? Ça. 250 balles. Ah ouais, c'est ouais. Tout. Ouais. Non, c'est pas cher, hein. Pour tirer les pigeons. Bah arrête, et tu sais que sur 50 à 50 mètres au stand de tir là où j'ai été là, c'est des têtes de cons, hein. Je suis putain, je leur pisse au cul à eux. Mais ouais, j'ai fait des résultats sur 50 mètres ah très ouais, intéressants. Tu veux tirer avec ça? Ouais, bien sûr. Ah bon. Pourquoi? Non, parce que des fois ils aiment pas trop les 4-5. Pourquoi? Bah ça dépend si c'est des cons. Ah bah ouais. Ouais, très bien cette petite XM1. Ah t'y prends goût toi. Ouais. Ah ouais, elle est bien. Puis elle est légère. Hein. Ouais ouais. Puis la crosse c'est bien, tu peux crosse poignée là. Ouais, c'est ultra ergonomique hein. Ouais, très bien. Ok, bah fais un plomb parce qu'il faut pas les laisser, tu vois, charger, pas comme une arme à feu. En fait, une fois que tu tires ton plomb, tu la laisses tranquille, quoi, tu mets la sécu, puis tu la laisses peiner. Je mets le plomb et je mets la sécu. Enfin, tu tires, t'effectues ouais, ton tir. Je tire et je mets la sécu. Voilà. Ouais, voilà. Ok, oui. Allez. Et après, je mets la sécu. Bon, après, elle est réglée à 50 mètres, hein, celle-là, donc c'est sûr qu'il y a tiré là, à 5 mètres. Ah bah, t'as quasi fait du plomb dans le plomb, là, hein. Ah, c'est... Mais bon, encore une fois, c'est pas fait pour tirer là. Ah ouais, c'est groupé, mais ouais. Pas... je suis pas dedans. Ouais. C'est pas fait pour tirer là. À 4m50 dans le garage. Il y a des gens qui tirent dehors. Il y a des chasseurs. Là à côté, t'entendais... Ouais, t'as entendu des détonations bah, tout ouais. Le temps hein, par chez moi. Hein. Ah ouais. Donc c'est pour ça que les voisins ils font pas trop attention. Ouais, ouais. Des fois, tu sais quoi, je me mets en slip dans le jardin. Bé, 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 au PAK, ils s'en foutent. Tu... ah, je plaisante, je fais pas ça, mais bon, voilà quoi. Bon bah écoute Anthony, on aurait fait une première prise de ouais. Contact, merci pour toutes tes informations. Bah y'a pas de quoi. Puis... super cool, de toute façon on se reverra hein, de toute manière. Ouais, bah, si tu veux t'inscrire, ouais, y'a pas de soucis. Ouais, on se reverra assez rapidement. Hein. Le club de tir accepte tout le monde. Et puis ouais, même les sauvages, non. Non, faut pas non, faire mais fou ils avec sont... ça. Hein. Ils sont pas trop, tu viens pas au club de tir pour te défendre en fait. C'est... Si tu viens au club de tir, c'est pour faire du tir. Ouais, c'est ça. C'est pas pour dire je veux une arme pour me défendre. C'est... Ouais, bah tant mieux, c'est mon but, okay. Moi. Tu sais. Ouais, carrément. Voilà. Donc, bon, bah ça, on essaiera une prochaine fois. Mais... Ouais, ouais, on fera des essais, de toute façon, il y aura matière à faire de toute ouais. Manière. C'est une porte qui s'ouvre pour d'autres délires. Ok. Merci de m'avoir consacré ton temps, en tout cas. Bah, de rien. Et puis, enchanté d'avoir fait ta connaissance, et c'est cool. Ouais. Bon, allez, bon, allez, potes, hein. On se dit à plus à tard plus. Et je vous dis à plus. À bientôt. Ouais. Thank you.